autour du feu. Le noir disent la nostalgie de leur cœur langoureux. Où que je sois exilé dans votre séjour, ces chants me touchent toujours. Et je peux aller me donner lorsque la perte parle sans fond d'ici. Oh, oui, monsieur. On peut apprendre à connaître les pieds de derrière d'une mule sans les recevoir dans la figure. Aussi vrai que je m'appelle Rébus. Et si ces histoires parlent de bêtes, comme monsieur Lapin et monsieur Renard, ça ne veut pas dire que les mêmes choses n'arrivent pas aux gens. Ceux qui n'apprennent rien en écoutant des histoires de bêtes, ils n'ont pas d'oreilles pour entendre. Ou alors, c'est qu'ils n'arrivent pas à se débrouiller au milieu de leurs propres ennuis. Comme ce jour où mlle Alice et monsieur Georges sont arrivés à la plantation. Maman. Oui, Jeannot. Dis, pourquoi on va chez grand-mère? Je t'ai déjà dit. On va lui rendre visite. Pourquoi elle ne vient pas chez nous? Elle est venue au début du printemps. C'est parce que je suis sûre que tu seras content d'être à la plantation. Est-ce qu'elle n'est pas fâchée? Mais non, tu déraisonnes, Jeannot. Où as-tu pris cette idée ridicule? Autant de gens disent qu'elle est vraiment fâchée. Et qu'elle est fâchée surtout contre papa parce qu'il écrit dans un journal. Grand-mère lit donc pas les journaux? Oh, si. Et elle adore les lire. Georges, voyons. Êtes-vous fâchés l'un contre l'autre aussi? Mais non, chérie. Que vas-tu chercher? Oh, doux Jésus, Jeannot, va tout de suite arriver. Il n'y a pas des grenouilles qui crient autant que si là, à Atlanta. Tu sais ce qu'elles disent? Knedip, Knedip. Tu crois? Parole d'honneur. Knedip, Knedip. Je me rappelle quand j'avais ton âge, c'était une grande joie d'en attraper. Je me souviens, une fois, j'avais mis une boîte pleine de grenouilles dans la lingerie de ta grand-mère et elles se sont toutes échappées. Oui, et moi je me rappelle la fessée que vous avez reçue. C'était le vieil oncle Rémus, le fautif, tu sais. Il nous avait dit l'histoire du brochet de la petite grenouille. L'histoire qui raconte comment la grenouille a perdu sa queue. C'est ça. Et alors? Et alors la malheureuse n'a plus du tout de queue. Tante Sophie. Mon petit. C'est oncle Rémus, tu le connais? Oh oui, je le connais très bien. Tu vas aller voir, il te racontera les belles histoires de Monsieur Lapin. Tu seras souvent avec lui. La bienvenue dans cette maison, ma fille. Oh, et vous aussi, monsieur. Oh, je ne saurais vous dire à quel point je suis contente de vous voir. Jeannot, tourne-toi un peu, que je puisse te regarder. Oh, ma parole, tu ressembles un peu plus à ton grand-père chaque fois que je te vois. Toby. Oui, mademoiselle Cécile. C'est Jeannot, mon petit-fils, et j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Je te le confie. Montre-lui la plantation, et s'il lui arrive des ennuis, rappelle-toi qu'il doit l'aider. Oui, mademoiselle. J'espère que tu es turbulent. J'aime les enfants qui font du bruit. C'est tellement plus commode pour savoir où ils sont et ce qu'ils font. Tante Sophie, est-ce que c'est l'oncle Rémus? L'oncle Rémus? Pas du tout, moi je lui suis là cet homme. Tu viens? Je vais te montrer la grande pendule. J'ai entendu parler de tout le bruit que vous avez fait à Atlanta. Vous réclamez les machines, des chemins de fer, que sais-je encore? Mademoiselle Cécile, où il faut mettre cette malle? Mais là-dedans. Oh, je vais lui montrer où il faut la porter. Venez, faites attention et ne vous cognez pas. Alice. Eh bien, comment vas-tu le lui dire? As-tu changé d'avis ou es-tu décidé à rester? Oh, je dois rester ici, Georges. Je dois le faire pour maman. Elle a déjà assez de responsabilités. Je n'ai pas l'intention de lui imposer les nôtres. Mais s'il s'agit de quelques temps seulement, je suis persuadé qu'elle sera contente d'avoir Jeannot. Regarde bien la grande aiguille. Regarde-la. Qu'est-ce que je te disais? Oh, madame. Alice serait heureuse que Jeannot reste quelque temps avec vous. Et vous, vous restez? Oh non, je dois partir. Et j'aimerais qu'Alice reparte avec moi. N'insiste pas, Georges. J'ai décidé de rester. Je partirai donc sans toi. Mais je dois me presser car je vais manquer mon train. Manquez-le. Vous n'aurez pas à le regretter. Papa, tu vas repartir? Oui, fils. Pourquoi? Il le faut. Mais tu restes avec maman et avec moi d'habitude. Oui, je sais. Mais j'ai un devoir à remplir ailleurs. Et toi, ton devoir est ici. Tu dois t'occuper de ta maman et de ta grand-mère. Tu feras cela pour moi, n'est-ce pas?
Au revoir, Jeannot. Au revoir, madame. Au revoir, Bob. Au revoir, Alice. Au revoir. Oh, reste ici, reste ici. Papa, je t'en supplie. Si tu vas à Atlanta, je veux aller avec toi aussi. That's how the leopard got his spots. More, tell us more. To camp across the desert sands with all them mighty caravans, his bed was full of sandy lumps. That's how the camel got those humps. That's what Uncle Remus said. That's what Uncle Remus said. Sandy bed was full of lumps. That's how the camel got those humps. More, tell us more. The pig, he saw his lucky friend a swinging by his other end. He tried the same thing on a rail. That's how the pig got a curly tail. Oui, oui, voilà ce qui est arrivé à M. Lapin, aussi vrai que je m'appelle Remus. À partir du moment où il se mit dans la tête que personne ne pourrait le rouler, il vint quelqu'un qui le roula d'une façon scandaleuse. Pourquoi tu ris? Lui demande M. Renard. Et M. Lapin, il ne pouvait rien répondre. Eh bien, dit M. Renard, je vais te régler ton compte tout de suite. Ayant dit cela, il attrape M. Lapin par la queue, le fait tournoyer et veut le jeter à terre. Mais alors, la queue du lapin qui n'était pas trop solide casse net. Et lui, s'enfuit dans les champs à toute vitesse en faisant des nuages de poussière. Et c'est depuis ce jour-là que M. Lapin n'a plus qu'un bout de queue qui ressemble à une petite balle de coton. Et après, qu'a fait M. Renard, oncle Remus? Un autre soir, on ne doit pas prendre trop d'étoffe pour une seule paire de pantalons. Oncle Remus, tu nous racontes les plus belles histoires de toute la Louisiane et de toute la Géorgie du Sud. Oh, ce n'est rien. Tu aurais dû m'entendre à l'époque où j'étais jeune homme. Tu aurais ri à faire sauter tous tes boutons de culotte. Comme Mlle Alice avait ton âge, elle venait s'asseoir juste à l'endroit où tu es maintenant. Et elle riait. Elle riait à s'en faire mal aux côtes. Oncle Remus, d'où Jésus as-tu vu Jeannot? Pour Mlle Alice, elle pleure et le chasse de tous les côtés. Tu es sûr il n'était pas là à écouter une de tes histoires? Ce que non, je sais s'il était là. Et toi, comment as-tu pu le laisser tout seul? Mlle Cécile t'avait dit de le surveiller. Viens, Chloé, cherchons-le avant Mlle Alice soit tout à fait folle. Sœur Sophie, dis à Mlle Alice que le petit est avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire, Vito? T'inquiète pas. Dis-lui seulement ça. Viens, Vito, puis dépêche-toi. Allons, vite. Qu'est-ce que c'est? Tu as quelque chose dans l'œil, mon garçon. Et ça n'a rien de surprenant. Il y a tellement de choses qui volent dans l'air par ici. Alors? Il me semble que Jeannot voudrait s'en aller de la maison. Oui, c'est vrai. Je veux partir et je n'écouterai personne. J'en suis sûr. D'ailleurs, ça n'est pas impossible. Tu sais, j'étais en train de penser que je devrais m'en aller, moi aussi. Tu serais content que l'oncle Remus en aille avec toi. Voyons, réfléchissons. Dans quelle direction allons-nous? Comment peut-on arriver au bus si on ne sait pas décider avant? Je veux aller à Atlanta. Il y a un long chemin d'ici à Atlanta. As-tu emporté un peu de pain?
Non. À quoi penses-tu? Si on n'a rien à manger, on n'ira pas bien loin. Si on s'arrêtait dans ma maison pour prendre un morceau de pain. Et peut-être des patates douces. Il fait nuit, Jeannot. Donne-moi la main. J'ai besoin de jeunes yeux dans l'obscurité. Il fait bien sombre pour commencer un si long voyage, qu'en penses-tu? Eh bien, restez si ça vous ennuie. C'est vous qui vouliez venir tout à l'heure. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que quelqu'un a parlé de rester? Je ne l'ai pas entendu. Je pars avec toi. Et je n'en reviendrai jamais plus. Vous vous moquez de moi? Oh non, Jeannot. Non, je ris parce que c'est exactement ce qu'a dit M. Lapin en quittant son champ d'orance. Il en avait assez. Et en fermant sa petite maison, il a dit « Je ne reviendrai jamais plus ici !» Oui, ce sont ces mots qu'il a prononcés. Bon. Je crois qu'il est temps de fermer paquet si on doit s'en aller. Qu'est-ce que vous disiez qu'il a fait, Monsieur Lapin? De quel Monsieur Lapin s'agit-il? Mais je vous ai entendu parler de Monsieur Lapin. Qui donc? Moi? J'ai peut-être dit quelque chose comme ça avant-hier par hasard. Mais ce soir, je t'en ai pas parlé. Mais si, voyons, c'était l'histoire de Monsieur Lapin qui veut partir de sa petite maison. Oh, mais bien sûr, Dieu du ciel. C'est vrai. Si je ne te la raconte pas immédiatement, tu ne me laisseras pas tranquille. Alors, si tu veux, c'est une histoire sans intérêt. Est-ce que c'est le Monsieur Lapin que le renard avait pris pour le manger? Quoi, tu l'ignores? Il n'y a au monde qu'un seul Monsieur Lapin. Dans ce cas, assieds-toi vite là et écoute. Ouvre tes oreilles bien larges, ouvre-les, car ce Monsieur Lapin est sans aucun doute la plus effrontée créature qu'il y ait eu dans le monde entier. Cette histoire-là ne date pas d'hier. Ni d'avant-hier, monsieur. C'est arrivé il y a bien longtemps. Et à cette époque-là, on trouvait la vie très belle et l'existence facile. Les bêtes étaient les amis des hommes, et les gens aussi aimaient toutes les créatures. Et veuillez excuser ma façon de dire ces choses. Mais ça valait mieux pour tout le monde. Oui, Jeannot, cette aventure est arrivée le matin d'un jour ensoleillé. Un de ces jours sans nuages, où l'on a le cœur plein de fêtes, où de jolies chansons semblent naître de chaque fleur. Zip-a-di-tou-da, zip-a-di-hé, belle, belle et radieuse journée. Toutes ces fleurs chantent, tout est parfait. Zip-a-di-tou-da, zip-a-di-hé, sur l'oiseau bleu siffle à tue-tête. Il y a de la joie, des chansons. Où des lieux et des airs sans façon, zip-a-di-tou-da, zip-a-di-hé. Matin de fête, belle journée. Oui, monsieur, zip-a-di-tou-da, zip-a-di-hé. Belle, oh, belle et radieuse journée. Sur l'oiseau bleu siffle à tue-tête. Il y a de la joie, des chansons. Des gueuses, des airs sans façon. Zip-a-di-tou-da, zip-a-di-hé. Matin de fête, fête de mai. Zoum, 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 zoum. Des chansons. Où est-il cet oiseau bleu? Des vies et des airs sans façon. Zip-a-di-tou-da, zip-a-di-hé. Matin de fête, belle journée. Quel satané vieux champ de ronces! J'en ai assez de cet endroit-là. Je l'ai assez vu. Jolie journée, monsieur Lapin. Qui est-ce qui m'appelle par mon nom? Oh, c'est vous, oncle Rémus. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air de mauvaise humeur pour aller à la fête du printemps. Pas question de fête du printemps. J'en ai assez de cette vieille maison. Et je vais quitter ce sale endroit. Tu vas quitter ton champ de ronces, monsieur Lapin? Oui, c'est ça. La petite maison que tes pères ont bâtie? Oui, c'est ça. Tu veux dire pour de bon? Oui, je... Oh, tiens, regarde. Je n'ai eu que des ennuis dans cet affreux champ de ronces. Oh, c'est à vous dégoûter de la vie. Mais il ne m'arrive que des catastrophes ici, alors je m'en vais. Quand on a des ennuis, il n'y a rien à faire, on ne peut pas les fuir. Là où je vais, il n'y a pas d'ennuis, pas le moins. Partout, on est bien sûr d'en avoir. Eh bien, tant pis, rien ne m'empêchera de partir. Et je ne reviendrai jamais par ici. Alors, adieu, oncle Rémus.
Oh, je suppose que tu as bien réfléchi. Oui, oui, ne vous en faites pas pour moi. J'ai étudié sérieusement la question. Bien sûr, il laissait ses vieux ennuis derrière lui, mais il allait tête baissée vers d'autres, beaucoup plus graves. Sans avoir rien compris, il se trouvait suspendu entre ciel et terre. D'abord, il eut peur de se casser le cou en tombant. Et puis, il eut peur de ne plus jamais tomber. Il tirait, il poussait, il se portillait dans tous les sens. Mais il n'y avait rien à faire. Il savait très bien que quelqu'un l'avait attrapé. Et il savait même qui était ce quelqu'un. Et en haut, sur le Manchicatin où il habitait, qui est-ce qui entendait le bruit que faisait Monsieur Lapin? Ce vieux Monsieur Renard lui-même. Et quand ce méchant voit qu'il a attrapé Monsieur Lapin, il se met à crier. Ah, je l'ai vu ce lapin, je l'ai vu cette fois. Il est tout ficelé, prêt à être rôti. Et il va chercher sa plus grosse hache, et il se prépare à régler son compte à Monsieur Lapin. Alors Monsieur Lapin, qui est tout petit et qui n'a pas de force, doit se servir de sa cervelle puisqu'il ne peut plus se servir de ses pieds. Et c'est justement ce qu'il commençait à faire quand il entend ce bon vieux Monsieur Ours descendre lourdement le chemin. J'ai pas de dents, j'ai pas de haies, j'ai pas de belle journée. J'ai pas de dents. Frère Ours se porte bien, tu as l'air très content. Qui est là? Où est-il? Comment ça va? Mais qu'est-ce que tu fais là, si haut perché? Oh, j'empêche les oiseaux d'entrer dans le champ, et ça me rapporte 10 francs la minute. 10 francs la minute? Tu l'as dit. Voudrais-tu gagner 10 francs la minute, frère Ours? Bien sûr, mais... Tel que je te vois, tu ferais un extraordinaire épouvantail. Oh, tu es gentil. Est-ce que cet emploi t'irait? Oh, oui. Non, je serais désolé de te le prendre. Oh, non, c'est de grand cœur. J'ai gagné beaucoup d'argent depuis quelque temps, j'en ai assez. Tu as besoin d'argent, je te donne ma place. Non, je t'assure que non, je n'ai pas de petitesse. Merci, frère. Oh non, frère Rouge, ne me remercie pas. Je te prendrai ça un de ces jours. Au revoir. Je peux pas te dire à quel point je te suis reconnaissant. Oh, je t'en prie, n'en parlons plus. Oh, mais ce que tu fais est si gentil. Non, c'est bon, tiens, oui, alors un de ces jours. Vraiment, je t'ai pas assez remercié. Non, reste pas. C'est tellement généreux. Mais tu m'as rendu service, je fais ça, je ne gaspille pas ton argent. Au revoir, du frère. Belle journée. Oh non. 10 francs la minute. C'est pas nous. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour, frère Renard. Vas-tu sortir de mon piège? Qu'est-ce que tu fais? Je gagnais 10 francs la minute. Non, tu mens. Tu ne gagnais pas 10 francs la minute. Pas l'heure, volant de lapin. Tu faisais l'imbécile. Je t'assure, je gagnais 10 francs la minute. Cogne-le sur la tête, frère Renard. Cogne-le, ça lui ouvrira les idées. Regarde-le, c'est la famille. Regarde-le, il s'est fiché de toi, sinistre idiot, crétin. Il a osé? Ah oui, il a osé, il te connaît. Ça alors? Et Monsieur Lapin prit ses jambes à son cou et rentra dans sa maison qu'il n'aurait jamais dû quitter. Je lui avais dit quand il se plaignait de ses ennuis, il n'y a rien à faire, on ne peut pas les fuir. Partout, on est bien sûr dans la voie. Il a pris ses jambes à son cou, oncle Rémus? Oui, Jeannot. C'est une façon de dire qu'il est parti très vite dans les champs et qu'il est rentré tout droit chez lui. Où est la maison qu'habite Monsieur Lapin? Où elle est? Attends une minute. J'ignore l'endroit exactement. Car je ne rencontre plus aussi souvent qu'autrefois. Mais vous croyez qu'on la trouverait? Bien sûr. Ce ne serait pas long. Mais pourquoi tu nous parles de tout cela? Pourquoi, puisqu'on s'en va? Vous croyez qu'il faut s'en aller, oncle Rémus? Qu'est-ce que tu racontes? Tu voudrais rester alors que tout est prêt? Mais vous avez dit que c'était peut-être un trop long voyage. Mais puisqu'il est décidé que je t'accompagne, qu'est-ce qui t'arrive tout à coup, Jeannot? Eh bien, Monsieur Lapin... Qu'est-ce que Monsieur Lapin vient faire là-dedans?
juste au moment où j'étais si content de faire un voyage. Eh bien, si vous tenez à vous en aller, oncle Rémus. Oh, ça ne fait rien, Jeannot, ça ne fait rien. Si tu as changé d'avis, je resterai. Oncle Rémus. Oncle Rémus, je cherche Jeannot dans tous les coins, je ne trouve pas. Et j'étais pourtant chargé de le surveiller. Eh bien, je te vois dans un mauvais cas. Il a dû lui arriver quelque chose, oncle Rémus. Il s'était égaré dans la forêt. Il est peut-être tombé dans l'eau près du moulin. Il s'est peut-être cassé une jambe. Mais c'est lui. Sûr que c'est lui. Et personne d'autre. Qu'est-ce que vous en dites, oncle Rémus? C'est lui. C'est peut-être que son fantôme. Vous croyez? Non, non, c'est lui. C'est lui, pas d'erreur. Oh, oh. Que se passe-t-il, Toby? J'étais en train de penser. Qu'est-ce qu'il va prendre quand il rentrera à la maison? Alors il faut que je prenne mes jambes à mon cou, oncle Rémus, et que je rentre tout de suite. Attends une seconde. Ça vaudrait mieux que le vieil oncle Rémus aille avec toi. Sophie. Oui, ma mise. Sophie, cours jusque chez l'oncle Rémus et voici Jeannot est avec lui. Pas la peine, le voilà. J'espère que maintenant je vais pouvoir dormir. Vous croyez que c'est moi qu'ils attendent? Elles ne sont pas sur le perron pour prendre le frein. Jeannot, qu'est-ce que tu faisais? Oh, mademoiselle Alice, Sophie vous a pas dit qu'il était avec moi? Si, elle l'a dit, en effet. Mais il est 11 heures passées, Jeannot devrait déjà dormir. Bien sûr, mademoiselle Alice. J'ai voulu lui finir l'histoire de Monsieur Lapin et j'ai plus pensé à l'heure. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que tu lui racontes des histoires, oncle Rémus, mais tu sais très bien qu'il devrait être couché. Oui, mais ne fâche pas attention, mademoiselle Alice. C'est bon, je compte sur toi. Alors, Jeannot, il est temps de monter et de se mettre au lit. Mademoiselle Cécile, Jeannot a laissé son paquet. J'ai des conseils dehors, t'étais couché avant que ta mère était dans une correction. Toi et tes histoires. Mademoiselle Cécile, qu'est-ce que nous allons faire de cet enfant? Je voudrais le savoir. Une grand-mère n'a guère d'influence de nos jours. Oui, c'est vrai, et c'est malheureux. Ce qu'il lui faut, c'est son père. Et sa mère en a besoin aussi. Et j'ai peur qu'elle ne s'entête et qu'elle ne mette du temps avant de s'en rendre compte. Si vous lui en parliez, mademoiselle Cécile, vous arrangeriez peut-être les choses. Lorsque j'aurai besoin de tes conseils, je te le dirai. Je suis une femme têtue, et tu le sais, oncle Rémus. Oui, mademoiselle Cécile, je le sais. Eh bien, bonne nuit. Bonne nuit. Vous êtes fâché contre moi, mademoiselle Cécile? Non, vieux coquin qui touche à tout, je ne suis pas fâché contre toi. Je t'apporte quelque chose de beau. Oh, qu'elle est jolie. Bonjour, mademoiselle Grenouille, ravie de vous connaître. Dic, ni dip, ma petite vieille. Ni dip, ni dip. Il faut la mettre dans l'eau pour qu'elle dise ça. Où est-ce que tu l'as trouvée, auprès du moulin? Oui. Et comment tu le sais? Je l'ai entendu dire par papa. Il connaît l'endroit où on les attrape. Quand j'aurai déjeuné, on pourra aller au moulin. Oui, on passe à voir oncle Rémus, il nous donnera peut-être sa boîte. Mademoiselle Grenouille, vas-y, dis-le. Jeannot, es-tu levé? Bonjour, mon chéri. Bonjour. Bonjour. Tu as bien dormi? Oui, maman. Dépêche-toi, attrape-la. Allons, il est temps de s'habiller. Est-ce que je dois porter ce truc-là? Oui, chérie. La mère de ton père vient nous voir aujourd'hui. Et ce col-là aussi? Oui, chérie, il le faut. Tu penses, c'est elle qui l'a fait. Elle sera contente que tu l'aies sur toi. Mais je devais aller chercher des grenouilles dans l'étang. Oh, ça ne fait rien, chérie. Tu iras un autre jour. Nous allons déjeuner. Habille-toi et viens vite. Ça y est, après je pêchais dans les temps et toi tu gardes dehors. Si tu crois que c'est drôle de regarder. Mais si, allons-y. Il faut amener Mlle Grenouille chez elle. Elle ne pourra jamais entrer toute seule, c'est trop loin. Elle ne retrouverait pas son chemin ou on lui mâcherait dessus. Elle n'a pas l'air contente.
On dirait que tu regrettes ta famille. Suppose que tu ne reviens jamais plus, ni ta mère, ni les autres. Eh bien, c'est triste de vivre sans ses parents. Il faut la ramener. T'as raison. Viens donc. Si tu enfouches ton cheval, on ira sûrement plus vite. Tiens. C'est loin d'ici? Oh non, ce sera pas long, c'est juste là derrière le chemin. J'y serai avant toi. Oh, va pas par là! C'est défendu de traverser. C'est défendu? Tiens, regarde. Une chance que j'étais avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Je lève le doigt pour savoir d'où vient le vent, et si le vent s'ouvre vers le dos, c'est très mauvais. Car il te sent. Il te coupe dessus, et avant que tu comprennes, il te soit sur ses cornes. Oui. Un bon conseil, Jeannot. Laisse ce champ et traverse ailleurs. Ce qu'il faut faire, c'est le noyer. Oui, il est trop vilain. Ouais. Non, je vais aller dire à maman. Laissez-le, c'est mon chien. On l'aura, ton sale chien. C'est les fils fabes des voyous. Maman dit qu'il faut pas que je leur parle. Et tu peux être sûr que la tienne te défendra de jouer avec eux. Lâche le chien tout de suite ou je te flanque un coup de poing sur le nez. Il est habillé comme les poupées qu'on voit dans les vitrines. Ouais. Non, regarde ce col de dentelle. Oh, il est chic. Comment tu t'appelles, la fille? Il a un col de fille avec de la dentelle, avec de la dentelle, avec de la dentelle, avec de la dentelle. Est-ce que tu me le prêtes? Je te le donne si tu le veux. Tu voudrais vraiment? Oui, si tu es gentil avec lui. Il vaut le noyer s'il l'attrape. Il s'appelle Dicky. Dicky? Dicky. Ce qu'il est jeune. Si tu en as envie, je te le donne. Dicky voudra aller se promener en bateau. Comment tu t'appelles? Jeannot. Et toi? Ginette. C'est un très joli nom. Sur l'oiseau bleu, si pas du tel, et la nageoire qui des chansons, et c'est qui s'est fixé sans façon, si pas dit tout ça, si pas dit hé, matin de fête, belle journée. Tu vas faire ce qui t'a dit ta mère, tu vas rapporter ces finales cabots, tu l'as trouvé, tâche de te dépêcher, tu entends? Ouh. Tu es à moi, mon minot, ils diront ce qu'ils voudront. Si je te rends à tes anciens maîtres, ce Jacques Favert te jettera à l'eau. Monsieur, vos gros sommes à vos trucs. C'est pour ça qu'il est gras. Quand on veut l'embêter, il fait le mal. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je trouve qu'il a raison. En agissant ainsi, les autres se font des tas de soucis. Moi, je dors tranquillement. Oui, oui, je dors dans les champs. On me cherche pour travailler. C'est pourquoi j'aime mieux rester là où on me voit pas. Oh, ma parole. Où as-tu trouvé ce chien? Il est au faveur, je le reconnais. Tu n'as pas parlé à ces voyous? Non, oncle Rémus. Alors, où as-tu ce microvin? Un bon conseil, Jeannot, rends ce chien immédiatement. Mais il est à moi. C'est Ginette qui m'a dit de le prendre. Pense à ce que tu dis à ta mère si tu lui apportes ce chien. Elle sera furieuse si tu veux garder à la maison cette affreuse bête galeuse.
Oui, je sais qu'elle ne voudra pas. Mais il y a un moyen pour qu'on le sauve. C'est que vous le poignez. Attends, une seconde. Quelle drôle d'idée. Tu ne comptes pas que le Corémus va prendre ce chien? Il faudrait que je lui trouve de quoi manger. Mais je vous apprends... Et ce qui est plus grave, je l'entendrai hurler sans arrêt toute la nuit. Je serai toujours en train d'ouvrir la porte et de la fermer. Si tu crois que je vais perdre mon temps avec un chien... Oui. Évidemment, un aussi jeune chien, ça doit très peu manger. Et à la longue, rien ne dit qu'on l'entendrait encore hurler, mais... Ce qui est très ennuyeux, c'est de le sortir. Oui, j'ai là un coin où il pourrait très bien coucher. Dieu du ciel, qu'il est dans les galeux. Il est très joli. Il s'arrangera peut-être en grandissant, mais je n'en suis pas sûr. Viens ici, petite canaille. Regarde-le. On dirait qu'il a déjà compris que je vais le garder avec moi. Il a une très gentille queue. Maintenant, rentrez chez vous, les faveurs. Vous avez compris? Allez-vous-en. Et que je ne vous y reprenne pas. Ne venez plus m'ennuyer avec cette histoire de chien. Je ne vous le rendrai pas avant que Jeannot me le dise. Il est à toi, n'est-ce pas? Bien sûr. Ginette me l'a donné. T'as pas le droit de l'avoir. Il était à elle. Il est à nous que je t'ai dit. Et on vient chercher. Donne-le. Tu le laisseras tranquille. Il est bien à moi. Si je vous entends dire un mot de plus sur ce chien, je vais tout droit chez mademoiselle Alice. Et j'irai aussi vrai que je m'appelle Remus. On finira par l'avoir. Tu verras ce que je te dis. Ouais. Jeannot. Ne t'occupe pas de ce qu'il raconte. Et s'ils veulent pas comprendre, tu n'as qu'à aller voir maman. Elle a dit tout à l'heure que puisque je te l'avais donné, il était à toi. Rappelle-toi bien, tu n'as qu'à aller voir maman. Et elle leur flanquera une de ses corrections. Tu vois, Jeannot, tu t'es attiré des tas d'ennuis avec ces gamins. Tu es encore pire que Monsieur Lapin quand il s'amuse à être un faiseur d'histoire. Un faiseur d'histoire, oncle Remus? Eh bien sûr. Juste comme Monsieur Lapin, une fois qu'il avait été fourré son nez dans une affaire qui ne le concernait pas du tout, s'il était resté tranquille, Monsieur Lapin n'aurait pas eu tous ses malheurs. Tu ne connais pas cette histoire? Pas du tout, oncle Remus. Jésus, mais si tu ne l'as jamais entendue, il faut que je te la raconte. Alors, il y a bien longtemps, des années, de très nombreuses années, je ne sais combien, j'étais allé pêcher. Et j'étais en train de me dire que les fleurs et les bêtes ont d'étranges pouvoirs. Elles savent rien qu'en nous regardant si notre cœur est joyeux. Et si nous avons envie de chanter une chanson, elles nous disent toutes bonjour lorsque nous passons. Bonjour, oncle Remus. Oh, bonjour. Quelle belle journée. Bonjour, oncle Remus. Oh, bonjour, mademoiselle Nelly. À chaque pas, nous rencontrons des amis. Il faut leur dire, amis, comment ça va? Comment ça va? Et votre ami vous répond, mille merci, vous êtes trop bon. Sois poli, m'a dit ma grand-mère, il faut avoir de très bonnes manières. Et si quelqu'un te dit bonjour, quel qu'il soit, réponds toujours. Comment ça va? Pas mal, et vous? Vous allez bien? Mille merci, vous êtes trop bon. Ne saute pas tant, monsieur Lapin, tu vas être essoufflé. Assieds-toi donc et repose-toi une minute. Pourquoi? La puce saute, la sauterelle aussi. Et moi je saute et je sauterai si ça me plaît. Je suis sûr qu'un jour tu finiras mal. Tu es si arrogant. Comment ça va? Pas mal, et vous? Vous allez bien? Mille merci, vous êtes trop bon. La pêche est bonne, il fait beau temps. À quoi passez-vous dans votre temps, jeune homme? Oh, je vais, je viens, je saute, je cours. Vous le savez très bien, pourquoi le demandez-vous? Comment ça va? Pas mal, et vous? Vous allez bien? Mille merci, vous êtes trop bon. Attention, frère Lapin, vous avez la tête folle. Un de ces jours, il vous arrivera de gros ennuis. Mettre en garde ce lapin, c'est perdre son temps. Ne vous en faites pas pour moi. Ah, les donneurs de conseils m'agacent.
nom d'un chien. Ce monsieur lapin est un drôle de sauteur. Et il n'écoute rien. Rappelez-vous ceci. Ce lapin, oh merci. Ce jeune loustique malfaisant paiera cher ses plaisanteries avant longtemps. Évidemment, je l'ignorais à cet instant. Mais Monsieur Lapin fonçait tête baissée dans un guépier. Car en haut du mont Chicapin, à l'orée de la grande forêt, ce vieux Monsieur Renard était extrêmement anxieux de savoir ce que pouvait bien faire Monsieur Lapin. Il arrive, il vient à droite ici. Voyons, où j'en étais. Ah oui, la tête. Il faudra que j'ai une tête tout de suite. J'ai encore besoin de goudron, mais ça fera l'affaire. Juste la quantité pour faire une tête. Ce farceur de lapin, il ne le sentira pas. Non, on l'aura cette fois. Attends, tu l'as déjà dit je ne sais combien de fois. Et il se moque toujours de toi. J'ai un truc. Si on lui cassait la tête d'un seul coup. Oh non, lui casser la tête, ce n'est pas malin. Je veux lui prouver que je suis plus malin que lui. Le bébé de goudron est là pour ça. Je suis sûr qu'il se laissera prendre ce coup-ci. Oh non, il n'y a aucune chance. Ton truc en goudron ne trompe personne. Où sont ses yeux, frère Renard? Oh oui, les yeux. Heureusement que j'y ai pensé. Voyons, réfléchissons un peu, à peu près de cette dimension. Voilà. Et maintenant, oh oui, un nez. Il faut aussi un nez et il sera absolument parfait, un joli nez. Voilà qui fera l'affaire. On a l'impression qu'il m'a parlé. Et c'est le chef-d'œuvre de ma carrière. Regarde, il n'y a rien sur la tête. Oh, c'est vrai. Oh, mais attention. Oh! Voilà. Hein? Viens, aide-moi. Aide-moi donc, tu passes ton temps à griller. Ce dernier lapin arrive. Viens. Ce lapin va être là dans une minute. Il arrive. Il faut que tout soit prêt, que rien ne cloche. Rien ne cloche. Peut-être qu'un chapeau ferait plus naturel. Mais bien sûr, c'est nécessaire. Il m'en faudrait un. Il en a un. Oh, qu'est-ce que c'est? Il arrive. Le voilà qui vient. Vite, vite, dépêchons-nous. Viens. Regarde, le satané lapin en train de sautiller. Non. Il fait moi ce qu'il attend. Chut. Je l'aurai, je l'écorcherai. Oh! Qu'est-ce que tu as fait? Oui, monsieur. Le vieux renard avait terminé son bébé de goudron. Juste à temps. Car à ce moment, monsieur lapin arrivait en dansant sur la route. Il faisait des petits bonds comme une pie dans un champ. Et alors, il aperçoit le bébé de goudron et il s'écrie. Comment ça va? Monsieur lapin s'attendait à ce que les bébés répondent « Pas mal et vous ?» Mais le bébé de goudron, il ne répond rien et monsieur renard reste bien caché. Alors, monsieur lapin essaie encore une fois. Comment ça va? Mais le bébé de goudron ne répond toujours pas. Alors, monsieur lapin se gratte l'oreille avec sa patte de derrière et il s'approche pour voir pourquoi le bébé ne répond pas. Et il s'écrie. Hé, j'ai dit comment ça va? Est-ce que vous êtes sourd? Ah, voilà des façons. Est-ce que vous entendez? Mais le bébé de goudron, il ne répond toujours pas et monsieur renard reste toujours caché. Oh, j'espère que ça va marcher. Oh, ça va sûrement marcher, il n'y a pas de doute. Monsieur lapin pense que ce bébé inconnu mérite une leçon de politesse. Et il lui dit. Écoute, je te conseille de t'excuser avant que j'ai compté jusqu'à 3. Ou je te casse la figure, est-ce que t'as compris? Mais le bébé ne répond toujours pas et monsieur renard reste toujours caché. Silence, tais-toi, idiot. Et monsieur lapin commence à compter. Hein? Mais le bébé ne répond toujours pas et monsieur renard dans son coin en est malade de rire. Deux? Mais le bébé ne répond toujours pas. Et M. Renard se tortille d'impatience. Deux et demi. Trois. Un. Tiens. Laisse-moi dormir. Je l'ai enfin. Il est à moi maintenant. Laisse-moi ou je te tire les oreilles. Non, mais laisse-moi. M. Lapin pousse, tire, lutte, fait des efforts, donne des coups de pied, crie, pleure, s'endort. Mais plus il se démène, et plus ça va mal. À la fin, il est tellement engoudronné qu'il ne peut même plus remuer les yeux. Oh, comment allez-vous? Oui, est-ce que vous allez bien? C'est un garçon qui n'a pas d'usage. Frère Renard, toi et moi... Eh bien, frère Lapin, tu vas donc dans le monde que tu as mis ton bel habit de soirée. Ce qu'il est élégant, je n'ai jamais vu personne oui, je voulais dire. Tu es un gentil petit faiseur d'histoire. Ça suffit, réglons-lui son corps. On va le lui régler, jusqu'au centième. Oui, c'est ce que je voulais dire. Tout le monde prétend qu'il est très malin. Oui, il connaît un temps. Mais il les a oubliés aujourd'hui. Il les a oubliés, n'est-ce pas, frère Rousse? Oui, il les a oubliés. Vous n'avez jamais vu quelqu'un d'aussi honteux que ce pauvre monsieur lapin dans son costume de goudron frais. Pauvre petit. Il avait voulu donner une leçon, mais c'est lui qui apprenait un peu tard que l'on s'attire les pires ennuis en voulant se mêler des affaires des autres et qu'il faut toujours éviter de le faire. Surtout, ne l'oublie jamais, Jeannot.
Et comment ne l'a-t-il pu s'en sortir en pleurant? Qui t'a dit qu'il s'en était sorti? Oh, ce monsieur Lapin, c'était tout jeu d'affaires. On n'en sent pas trop sûr, car tu sais déjà que monsieur Lapin n'a pas du tout de force pour se défendre. Il faut qu'il se serve de sa tête dans les cas difficiles. Il s'en est tiré? Mais bien sûr. Qui est-ce qui raconte cette histoire? Vous voyons. Alors restez tranquille et écoutez. Alors, je vous disais qu'il était assis au milieu de la route, comme vous l'êtes sur votre chaise. Seulement lui, il est mélangé avec le bébé de goudron. Et ça a vraiment l'air d'être la fin de tout pour ce pauvre monsieur Lapin. Car ce vieux monsieur Renard a bien l'intention de le faire cuire pour son dîner, et il en a déjà l'eau à la bouche. Oui, monsieur, ne soyez pas impatient. Le dîner va être très long, 6 minutes, il ne nous reste qu'à mettre du bois dans le feu. Oui, du bois très sec. Oh, excusez-moi, vous restez dîner avec nous, monsieur Lapin. Nous tenons à ce que vous y assistiez. Nous serons si contents de vous avoir pour dîner. Nous serons si contents de l'avoir pour dîner, n'est-ce pas, frère ours? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Non. Mais j'allais dire que je veux lui casser la tête d'un seul coup. Non, laisse-le tranquille, je te dis. Non. Il est à moi. Je l'ai attrapé, pas les pattes. Mais regarde, je lui fais sauter la tête d'un seul coup. Non, c'est trop rapide. On va le faire souffrir. Et je sais comment je vais m'y prendre. Mais. Laisse-moi m'en occuper, j'ai une petite idée derrière la tête. Écoute donc. Laisse-moi lui casser la tête. Vas-y, mon vieux. Vas-y, fais-moi sauter la tête. Mais il a l'air content. Attends. Non, je vous en prie, ne me jetez pas dans les ronces, je vous en prie. Pas d'une acataire, ce n'est pas ton affaire. J'ai bien envie de le pendre, c'est ça, c'est ce qu'il faut. Le pendre par le cou jusqu'à ce qu'il meure. Oh, je t'en prie, frère Renard, pends-moi. Quoi? On ne te gêne pas, mais surtout ne me jette pas dans les ronces, par pitié. Mais c'est qu'il nous faudrait une corde. Attends un peu, j'ai une meilleure idée. Je vais t'écorcher. Oui, excellente idée. Tu disais? Je disais, je vais t'écorcher. Écorche-moi. Oui, vas-y. Écorche-moi si ça te fait plaisir. Mais il y a une chose que tu ne peux faire à aucun prix. Dis-moi laquelle. Mon frère Renard, je t'en prie, fais-moi n'importe quoi. Mon frère Renard, n'importe quoi, je t'en prie. Mais mon bon frère Renard, ne me jette pas dans le champ de rose, par pitié. Hein? Pourquoi pas? Dans le champ de rose. Je suis vraiment content d'avoir pensé à ça. Je suis vraiment très content. Dis, tu ne me jetteras pas dans le champ de rose. Qui, moi? Oh non, ce serait de la cruauté. Ne crains rien, te jeter dans le champ de ronce. On est trop gentil pour te faire ça, n'est-ce pas, frère Ours? Non. On ne lui fera pas ça. Sûrement pas. On va lui faire sauter la tête. Ah oh, non, jamais de la vie, attends. On lui fera sauter la tête tout à l'heure. Sauter la tête d'un seul coup. Voilà. Là, je suis perdu. Là, l'assassin. Oh. Je suis là, frère Renard. Je suis né. J'ai été élevé dans ce champ de rose. Mon cher, mon bon ami. Oui, monsieur. J'y suis né, mon bon monsieur. J'y suis né, mon bon monsieur. Et maintenant, c'est au tour de monsieur Renard d'être tout honteux. Et monsieur Lous, lui, ne dit rien. Et monsieur Renard se fait tout petit, hein. Il se tient tranquille dans son coin. Racontez-je une autre, oncle Rémus. Celle qui dit comment mademoiselle Grenouille avait une queue. Elle a perdu. C'est ça. Et alors, la malheureuse n'a plus du tout de queue. Ah, je te la raconterai. Mais celle-là, ce sera pour un autre jour. Occupe-toi pour l'instant de donner à manger au petit chien. Il va me dévorer mes chaussures. Tu viens, Tommy. Comment ça va? Pas mal, et vous? Vous allez bien. Mille merci, vous êtes trop bon. On se fiche de ce que l'oncle Rémus a dit, tu sais. On vous obligera à nous rendre Dicky. Attendez, vous verrez. On va aller vous dénoncer. Ouais, on va le dire à Sophie. Le dire à ta grand-mère. Et peut-être aussi à ta mère. Si vous voulez, allez-y. Dites-le à tante Sophie. Dites-le à ma grand-mère. Et à ma mère. Dites-le à n'importe qui. Mais surtout, n'en dites rien à votre mère. Pourquoi ça? Ne lui en dites rien, c'est tout. Car si vous lui dites, je vous assure que ça fera du vilain. C'est ce que Monsieur Lapin a dit à Monsieur Renard. Chut. Quand on a affaire à plus fort que soi, il faut savoir se servir de sa cervelle. Ouais! Maintenant, je ne veux plus en entendre parler. C'est le chien de Ginette. Si elle veut en faire cadeau, c'est bien son droit. Il lui appartient. Je vais
Elle lui flanque une volée à ce journaux. Lui apprendrait à vouloir faire le malin. C'est pas de sa faute. Il nous a dit de pas le dire à maman. Ouais, idiot. Il voulait exprès qu'on aille lui raconter. Oh. Un jour, l'eau, tu viens d'attourner autour de moi. Gare à toi. Cette fois, je t'attraperai. Et tu verras. Un jour, l'eau, tu viens d'arroder autour de moi. Gare à toi. Ah, tu peux t'en mordre les doigts. Si je te vois, tu viendras juste à midi, quand cuit le rôti. Peut-être bien que ce jour sera aujourd'hui. Mais un jour ou l'autre, tu viendras d'un petit air innocent. Au moment du déjeuner, tu viendras juste à midi, quand cuit le rôti. Peut-être bien que tu vas oser aujourd'hui. Car un jour ou l'autre, tu viendras d'un petit air innocent. Au moment du déjeuner. Mais je te donnerai rien. Toi, tu viens toujours dans ma cuisine quand je fais des gâteaux. Si tu crois que je sais pas pourquoi tu amènes deux ou trois bûches, il y en a qui travaillent, et puis d'autres qui viennent s'asseoir et qui passent le temps à raconter des histoires, qui parlent de Monsieur Renard et de Monsieur Lapin. Dis-lui de venir à toi, Monsieur Lapin. J'aurais vite fait de le mettre dans ma casserole. Sœur Sophie, je te l'ai dit plusieurs fois. Je te le redis encore, et je te dirai toujours. Tu es de très loin la meilleure cuisinière de tout le pays. Tu es une artiste. Je ne crois pas un seul mot de ce que tu me racontes. Tiens. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Nous voulons voir Mademoiselle Alice. Ouais. Et pourquoi vous voulez la voir? À cause de mon chien. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent, leur chien? Il est à Jeannot? Il est à eux. Pourquoi? Quand il l'a amené ici, Mademoiselle Alice lui a dit d'aller le rapporter au Faba. Que vaut rien, ce gamin. Où vas-tu? Cherchez Mademoiselle Alice. Je vous ai dit une fois de ne pas vous ennuyer avec ce petit chien, vous vous rappelez? Rentrez chez vous. Allez, oust, ou je me fâche. Non, ça n'a rien à faire. Nous resterons et nous verrons Mademoiselle Alice. Ouais. Mademoiselle Alice a autre chose à faire qu'à vous écouter et elle a dit qu'elle ne voulait pas qu'on l'amène avec ce chien. Que se passe-t-il? Jeannot nous a volé notre chien. On veut qu'il nous rende. Votre chien? Cette affreuse bête galeuse de l'autre jour? Oui, madame. Jeannot l'a caché chez l'oncle Rémus et maintenant il ne veut plus nous le rendre. Est-ce que c'est vrai, oncle Rémus? C'est-à-dire, Mademoiselle Alice, que j'ai. Je vois. Oncle Rémus va vous rendre votre chien, allez-vous-en à présent. Vous allez sûrement battre Jeannot. Faut le corriger. Il nous a dit que ça ne faisait rien qu'on vous raconte tout. Maintenant, rien dire à maman. Et maman, quand on lui a dit, nous a flanqué une bonne volée. Dieu, Mademoiselle Alice, Jeannot ne faisait pas cela méchamment. Il a seulement voulu faire comme Monsieur Lapin. Il s'est rappelé un bon doute qu'il n'y avait plus. Alors il a été un peu trop audacieux et ça lui a réussi, c'est tout. Oncle Rémus, j'essaie de faire de mon mieux afin que Jeannot m'obéisse et soit toujours franc. Mais vous et vos histoires, vous me rendez la tâche plus difficile. Je crois préférable pour l'instant qu'il n'entende plus ses sornettes. Mademoiselle Alice, les histoires que je lui ai racontées. Elle ne lui donne que des idées fausses. Vos intentions sont sûrement bonnes, oncle Rémus, mais Jeannot est trop jeune. Mademoiselle Alice, j'ai voulu. Ne lui raconter plus d'histoires, c'est tout ce que je vous demande. Bien, Mademoiselle Alice. Mais c'était la seule solution, maman. Je dois le surveiller et le corriger de ses défauts. Tu as peut-être raison, mais pour Jeannot, l'oncle Rémus et ses histoires étaient de précieuses distractions. Et cet enfant a besoin de se rapprocher à quelque chose. Mais il a sa mère et sa grand-mère. Penses-tu que ça lui suffise? Il ne faut pas nous faire d'illusions. S'il ne voit ni l'oncle Rémus ni les Favers, il lui faut tout de même des camarades, des amis qui aient son âge. Je crois que c'est tout simplement sensé. Qu'est-ce que tu viens faire par ici? Je t'ai déjà dit de ne pas finir dans ma cuisine. Oui, maman. Tu sais ce qu'il y a, Julie? Bien sûr, c'est mon anniversaire. C'est vrai, Julie. Et qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Je reçois des cadeaux. Et il y aura peut-être une fête. Tu en seras content? Une fête? Ah oui, c'est sûr. Avec de gentils petits garçons et de gentilles petites filles. Ginette aussi. Il y aura tellement d'autres petits-enfants ce jour-là, chérie, que quand plus ou moins, ça ne se verra guère. Chic, chic, merci. Papa sera là, j'espère. Oh, chérie. Je l'espère, je lui écrirai. Oh, ce qu'on s'amusera. Dicky, viens, Dicky. Dicky, ici, Dicky. Dicky, où es-tu, mon petit chien? Oncle Rémus, un beau cadeau pour Dicky.
Il est parti. Oh non! Il faut à tout prix le retrouver. Il s'est sûrement enfui dans l'ivoire et il pourrait se perdre tout seul. Dickie n'est pas tout seul. Où est-il alors? Chez ses maîtres, les Fravers. Tu sais parfaitement que ce chien est à eux. Mais Dickie est mon chien. Il est à moi. Ginette me l'a donné. Et vous avez dit... T'occupe donc pas de ce que j'ai dit. Ta maman t'a ordonné d'aller le rendre immédiatement à ses anciens maîtres et tu l'as gardé. Elle est en colère. Et elle a bien raison. Mais je comprends pas. Il n'ennuyait personne. Ne discute plus. Écoute ta mère, voilà tout. Mais c'est qu'il m'aimait et je l'aimais. Il fallait le garder, oncle Rémus. Jacques va le noyer. Je suis sûr qu'il va le noyer. Ton chien est chez eux à cette heure. Pas la peine de gêne. Ça sert à rien. Je suis sûr qu'ils vont le noyer. J'en suis certain. Et ça vous est égal. Qu'importe ce que je fais à présent, qui se soucie d'un aigle? J'ai beau dire, je ne suis qu'une vieille bête pour rien et qui n'intéresse personne. Mais oncle Rémus, je n'ai qu'un vrai ami et c'est vous. Je veux bien te croire. Ne me juge pas trop mal, je suis si ennuyé que je ne sais plus très bien ce que je dis et ce que je fais. Mais il y a une chose certaine. C'est que je garderai mes histoires pour d'autres que toi. Si tu n'arrêtes pas de remuer, je ne pourrai jamais te mettre ce col. Maman, je t'assure que je ne remue pas. Et n'oublie pas ce que je t'ai appris. Ravie de vous connaître. C'est très bien. Maintenant, tu es assez jolie pour aller n'importe où. Ginette, viens vite, on est en retard. Ginette, avant tout, sois polie. Ravie de vous connaître. Ravie de vous connaître. Je croyais que tu ne viendrais pas. Papa a oublié de rapporter du fil et maman a eu beaucoup de peine à finir ma robe. Elle te plaît? Oh oui, beaucoup. Elle est belle et toute neuve. C'est la robe de mariage de maman. On va manger des gâteaux? Bien sûr, ils sont tous en train d'en manger, mais il nous en restera. Qu'est-ce qu'on fait dans ces fêtes-là en dehors des gâteaux? Oh, des tas de choses. On joue, on reçoit de beaux cadeaux. Et j'en aurai moi aussi? Sûr, tout le monde en a. C'est moi qui en reçois le plus. Qui en reçoit le plus? Rentre tout de suite. Rentre tout de suite. Le dira maman. Le dira maman. Fais pas attention à ce qu'il dit, Ginette. Ne fais pas attention à ce qu'il dit, Ginette. Assez. Bien jolie fille, ça. Ouais, laisse-moi. Regardez, elle fait du joli. Elle est toute abîmée. Laisse-le s'en aller. Laisse-le, Jeannot. Lâche-le. Fichez le camp tous les deux. Et si je vous reprends encore une fois ennuyé, Jeannot ou votre sœur, vous serez fouetté. Ginette! Ginette! Oh, Ginette, pourquoi est-ce que tu pleures? On peut encore aller à la fête. Si tu en as envie, on n'a qu'à enlever les taches. Ce n'était pas fameux comme fête, en tout cas. J'ai une bonne idée. Je vais te raconter une histoire de Monsieur Lapin. Attends que je réfléchisse. Voyons, une histoire de Monsieur Lapin. C'était la créature la plus arrogante du monde entier. Les bêtes avaient organisé un jour, le long d'une rivière, une fête splendide. Ginette, tu as tort de pleurer. Dieu me donne. Qu'y a-t-il? Ginette a sa jolie robe tachée. Que c'est regrettable. Une aussi jolie robe. Mais ne pleure pas, ma chérie. Le vieil oncle Rémus va arranger ça.
Il vaudrait mieux aller voir Tante Sophie tout de suite avant que ta mère te voie. Écoutez, oncle Rémus, je ne veux pas aller à la fête. Tu dois y aller. Mademoiselle Alice s'est donné beaucoup de mal pour te faire plaisir. Oui, je sais. Mais Ginette a sali sa robe et papa n'est pas venu. Je vous en prie, oncle Rémus. Pousse-toi, ma chérie. J'ai des ennuis, moi aussi. Sûr, j'ai déjà eu pas mal d'ennuis. Mais personne n'en a eu autant que ce pauvre monsieur Lapin. Je me rappelle une fois où il n'avait plus d'ennuis à lui tout seul que nous trois réunis. Oui, voilà où il en était. Tout au fond de la tanière de monsieur Renard. Et cette fois-ci, on dirait qu'il n'a plus d'espoir. Car monsieur Lapin a essayé sans succès tous les trucs qu'il connaît. Tu ne me rouleras plus jamais, frère Lapin. Aussi sûr que je suis là. Et ta prière, ton dernier jour est arrivé. Tiens, fais ton doigt. Ce petit nœud papillon te va ravir, frère Lapin. Oui, oui, tu es épatant avec ce petit nœud. N'est-ce pas, le nœud papillon lui va bien? Oui. Je suis reconnaissant d'avoir fait un brin de toilette pour assister à notre dîner. Notre dîner. Oui, oui, il est fin prêt pour notre dîner. Pour mon dîner. Car je vais te faire cuire dans ton jus dans une minute. Dans ce feu. Oh, c'est... Oh, oui. C'est affreux. Hein? Je ferais peut-être bien t'expliquer ta situation. J'ai dit, je vais te faire rôtir. Sur ce feu. Tout de suite. Il n'y a pas de quoi rire, frère Lapin. Oh, mais je le sais bien, c'est plus fort que moi. Je viens de penser à mon coin de bonheur. Et chaque fois que je pense à mon coin de bonheur, j'ai envie de rire. Dis donc. Oui, mon frère ours. Dis-moi ce que c'est qu'un coin de bonheur. Oh, c'est un endroit secret près d'ici que j'ai découvert. Hein? Écoute pas, Lapin, c'est encore un de ses tours. Il essaye de te rouler. Et où est-ce? Ce coin de bonheur. Je t'y conduirai avec joie, mais je suis ficelé comme un saucisson. Eh bien, je vais te détacher. Enlève tes grosses pattes de ce lapin. Il est à moi et je vais le retirer. Mais... Et tout de suite sur ce feu. Je vais le... Oh! Je veux aller voir son coin de bonheur. Oh, 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 oh. Je ris de bon cœur quand je pense à mon coin de bonheur. Et hop, 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 oh, 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 chacun de nous a son petit coin de bonheur. Oh, tout est beau, oh, 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 oh. Je la passe, moi, que quoi? Le vôtre plutôt, c'est mieux que le gros long, oh, oh. Je ris de bon cœur. Quand je pense à mon coin de bonheur, et chacun de nous a son petit coin de bonheur. Tout est bon, oh, 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 oh. Des Michel, la vôtre plutôt, c'est mieux que le gros long. Écoute, frère, cette plaisanterie a assez duré. Est-ce que tu comprends, frère ours, cette plaisanterie a assez duré, je refuse de faire un pas de plus. C'est encore un de ses tours. Je te dis que ce lapin est en train de se moquer de quoi. J'en suis sûr, son coin de bonheur n'existe pas. N'existe pas. Sûrement pas. Viens maintenant, nous allons faire un... Une minute, les amis, attendez. Voilà le coin de bonheur. Où ça? Il est juste là. Ce lapin, si moi d'abord, oui. Hé, il n'y a rien ici que des abeilles. T'as bien fait l'imbécile cette fois. Oui, oh, oh, oh. Je l'avais oublié complètement. Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir l'air aussi idiot. Tu sais ce que faire. Écoute un peu, toi. Tu as dit que c'était un coin de bonheur. Et je ne suis pas de bonheur. Ah oh, je n'ai pas dit que c'était ton coin de bonheur. J'ai dit que c'était mon coin de bonheur, mon frère ours. Pourquoi tu dis cela? Je suis sûr que tu as un coin de bonheur. Vous croyez, oncle Rémus? Vous croyez? Évidemment, chacun en a un. Seulement, beaucoup de gens ne sont jamais à le chercher. Où est le mien? Je ne saurais te dire l'endroit exact. Car celui d'un de nous
n'est pas fatalement celui de l'autre. Tu viens, Ginette, on va le chercher. Jeannot! Jeannot! Où étais-tu passé? Oh, dans quel état sont tes vêtements? Mais que t'est-il donc arrivé? Désolé, mais le goûter est terminé. Tu aurais pu être là pour dire au revoir à tes invités. Mais je... Oncle Rémus nous a raconté les aventures de Monsieur Lapin. Vous aussi, vous avez un coin de bonheur. Oncle Rémus dit que chacun d'entre nous en a un. Ravi de vous connaître. Il ne faut pas m'en vouloir, mademoiselle. J'aurais dû m'en douter. Vous ne pouvez pas vous empêcher de raconter vos histoires. Je ne voulais pas en arriver là, oncle Rémus. Mais dorénavant, je ne veux plus que vous adressiez la parole à Jeannot. Est-ce bien clair? Plus jamais. Oui. C'est que raconter de petites histoires. Mais elles n'ont jamais fait de mal à personne. Et s'il est vrai qu'elles n'ont aucun sens, alors pourquoi durent-elles encore? C'est la seule maison que j'ai jamais possédée. Je voulais blanchir les murs à la chaux ces jours-ci. À présent, c'est inutile. Je n'ai plus qu'à tout quitter. Oncle Rémus, est-ce que Jeannot? Oncle Rémus, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, je m'en vais. À Atlanta. Tu es sûr d'avoir ton coin de bonheur? Oh oui, d'ailleurs l'oncle Rémus l'a dit. Regarde. Eh bien, c'est ta maison. Papa est revenu, tu comprends? Et je vais lui dire les aventures de Monsieur Lapin. Il va rire en les écoutant. Oh! Maman. Je n'en sais rien, chérie. Mais pourquoi il s'en va? Pourquoi? Ça doit être la faute de maman. Mademoiselle Alice, oncle Rémus s'en va. Il est dans la caillole. Oncle Rémus, attendez! Oncle Rémus! Jeannot! Oncle Rémus, revenez! Attendez!
the stars and the moon and the sun. More and more faith in him. He numbered the sparrows that fall every fall. More and more faith in him. My Savior, all I want. All I want. More and more faith in him. Toby, qu'y a-t-il? Si Jean Holter lui a fait mal avec ses cornes. Monsieur Georges. Comment va-t-il? Oh, il délire, il cause tout le temps, on dirait que son cœur va s'ébriser. Il courait, Monsieur Georges, il a traversé le champ du taureau, il voulait empêcher l'enclume de partir. His only been here such a mighty little while. Chérie, ton père est là. Oncle Rémus, revenez, oncle Rémus, revenez. Jeannot. Jeannot. Oncle Rémus, revenez. Oncle Rémus. La fumée légère sortait de la cheminée. Et la lumière des lampes brillait doucement. Et à l'intérieur, on entendait la bouilloire chanter sur le feu. Dans l'âtre, le grillon disait toujours le même refrain. Oui, monsieur. Tout allait pour le mieux. Car monsieur Lapin était revenu dans son coin de bonheur avec tous les autres habitants du voisinage. Oncle Rémus. Et cette nuit-là, une grande joie habitait Monsieur Lapin, car il avait trouvé son vrai coin de bonheur aux côtés de tous ceux qu'il aimait. Il est là. Maman, papa est là. Maman. Ta maman est pas de toi. Oui, mon chéri, il est là. Maman, dis à papa de rester. Sois tranquille, Jeannot. Je ne m'en irai plus jamais. Je reste ici, aux côtés de ceux que j'aime. Tu le jures? Je le jure. Et on s'amusera plus tous les deux que Monsieur Lapin lui-même. Nous avons trouvé notre vrai coin de bonheur dans notre vieille maison. La vieille maison qu'il ne faut jamais quitter. Mademoiselle Cécile, il y a des jours où on a bien des satisfactions. Oui, bien des satisfactions. Comment ça va? Comment ça va? Oh, voilà Monsieur Lapin. Comment allez-vous, Monsieur Lapin? Ah, merci. C'est certainement la plus belle journée que j'ai jamais vue. Zip, 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 abidou, da, zip, adie, belle, belle et radieuse journée. Bêtes et fleurs chantent, tout est parfait. Zip, adidou, da, zip, adie, quel oiseau bleu siffle à du tête. Quelle joie, des chansons, des vieux airs, des airs sans façon. Zip, adidou, da, zip, adie, attendez-moi. Belle, belle et radieuse journée. Bêtes et fleurs chantent, tout est parfait. Zip-a-dee-doo-da, zip-a-dee-ay. Maintenant, fête, belle journée. Zip-a-dee-doo-da, zip-a-dee-ay. Belle, belle et radieuse journée. Oh, fête, des fleurs chantent, tout est parfait.
Allez.